Merci Paul et merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc moi je vais vous parler un peu d'une nouvelle sémantique capturant celle des modèles stables dans le cadre de la programmation logique. Alors, programmation logique, vous savez bien que Marseille est un pôle d'excellence l'autre fois. Et je ne manquerai pas de saluer notre regretté, la mémoire d'Alain Colmerouer et son groupe qui a travaillé dans les années 1972, je pense exactement, avec Philippe Roussel, sur la programmation logique. Et donc, c'est comme ça que je suis en Kabylie, qui est un poste d'excellence en intelligence artificielle, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, c'est pas pour la même raison, à Marseille. Et c'est comme ça que je suis arrivé en DEA, dans son DEA d'intelligence artificielle. Voilà, donc, dans cet exposé-là, donc je ne manquerai pas de saluer sa mémoire, c'est l'occasion. Je vais parler de mes motivations, pourquoi c'est toujours du jour, la programmation logique. Des rappels, bien sûr, de crainte que certains ne maîtrisent pas ces choses. Normalement, à Marseille, tout le monde sait un petit peu de ça. Et donc je vais rappeler qu'est-ce que c'est quand même les principes un petit peu, la sémantique de la programmation logique, et puis la sémantique des modèles stables, vous allez voir que c'est la suite de la programmation logique. Et pour ce qui nous concerne, pour améliorer ces sémantiques les meilleures qu'on a rencontrées sur le marché actuellement, on est allé chercher un affaiblissement de la négation par échec, que je vais expliquer tout à l'heure, et je vais introduire ce que nous appelons la notion d'extension et comment on arrive à coder, bien sûr, un programme logique sous forme CNF, et même je peux dire que c'est un ensemble de clauses de Horn. Et j'introduirai la nouvelle sémantique, et si j'ai du temps, cette nouvelle sémantique, je vais vous montrer que ça sert à quelque chose parce que ça ouvre une nouvelle alternative pour programmer des solveurs ASP et d'une façon nouvelle. Et c'est le sujet de thèse, en partie le sujet de thèse de Tarek Khaled, qui est un doctorant sous ma responsabilité ou bien sous ma direction. Voilà, donc c'est ce que je disais, tout part de la programmation logique. Et puis l'insert set programming, il faut voir que c'est un cadre déclaratif pour exprimer et résoudre des problèmes. Et à l'heure actuelle, il y a même des compétitions, on arrive même à bousculer avec les systèmes de insert set programming, des compétitions SAT, et donc il y a des systèmes qui marchent très très bien. Et ce qui est important, moi j'ai travaillé beaucoup sur les solvers SAT et contraintes et CSP, je suis allé chercher un petit peu dans l'ASP parce que je voulais un cadre non monotone. Et il se trouve que l'ASP aussi, c'est un cadre non monotone. Non monotone dans le sens où, en intelligence artificielle, on n'aimerait pas être fixe. Il y a des choses qui sont vraies à un moment, et après, par la suite, ils peuvent être faux, et il faut réviser la connaissance. C'est pour ça que c'est très riche de travailler sur l'insert set programming. Alors, plusieurs sémantiques ont été introduites, surtout la bataille située en 88 jusqu'en 93 à peu près. Il y a beaucoup de choses à lire, mais alors tout est parti, bien sûr. Prologue est basé sur le modèle minimal d'Herbrand, parce que les clauses de Horn ont un seul et un joli résultat, il y a un seul modèle d'Herbrand minimal, mais Prologue a ses limites. Il n'exprime ni les disjonctions ni les négations. Et ça manque beaucoup à la représentation de connaissances. Si on a de belles propriétés de résolution, c'est parce qu'on n'introduit pas ça. D'où l'évolution, bien sûr, vers l'ASP, ce qu'on appelle l'insert set programming, ou en programmation ensemble réponse, je pense en français. Et là-dedans, les gens ont inclus ce qu'on appelle la négation par défaut, bien par échec, et même la négation classique et les disjonctions. Donc, plusieurs sémantiques ont été élaborées, au fait, mais celle qui se retrouve sur le marché, c'est justement la sémantique des modèles stables. Et celle-là, parce qu'il capture toutes les autres pour les adeptes de ces sémantiques, le point fixe pour les programmes stratifiés, ou bien le perfect models, ou bien le well-founded, ou bien l'approche auto-épistémique, tout ça, on peut montrer que c'est capturé par la sémantique des modèles stables. Mais malgré ces bonnes caractéristiques, il y a quand même
un manque. Parce que on peut remarquer, par exemple, il y a des programmes logiques qui sont cohérents, qui sont consistants, mais qui ne contient pas de modèle stable. Ça veut dire que la sémantique du modèle stable échoue de donner une sémantique ou bien une explication à ces programmes-là. Donc, ça représente un peu une frustration, si vous voulez. D'où la nécessité d'étendre ou bien de pallier à cet inconvénient. Et des fois même, la sémantique du modèle stable ne reflète pas à 100% le sens logique d'un programme logique. C'est un deuxième point que nous avons remarqué. Pour ça que nous avons, et aussi du point de vue implémentation, vous allez voir tout à l'heure, pour implémenter un solver ASP en utilisant la sémantique des modèles stables, c'est un petit peu, il faut jongler, il faut passer par la complétion de Clark que personnellement je n'aime pas, et c'est pour ça que j'ai fait de sorte à l'éviter. Alors, rentrons dans le vif du sujet, bien sûr, tout part de ce que les gens appellent les programmes logiques positifs. Alors, un programme logique positif, c'est un ensemble de règles, je ne sais pas si je sais manipuler ça, de la forme A1 jusqu'à AM, en fait, c'est un A, A1, A2 et AM implique A0. Alors, ce qui est à droite, c'est le corps de la règle, et ce qui est à gauche, c'est la tête de la règle. Alors le sens, c'est très facile, si je sais prouver. Ah oui, voilà. Tu peux même utiliser les flèches. Si je sais prouver A1 jusqu'à AM, je peux déduire A0. C'est juste une clause à la prologue. Hein? Voilà. Et donc, un programme positif ne contient ni de négation, par échec, ni classique. Voilà par exemple un programme d'école, voilà, où on a 4 règles dans ce programme-là. Vous remarquez, les 2 premières règles n'ont pas de prémisse, ça veut dire que ça exprime des faits qui devraient être vrais. Et voilà ce que on appelle un programme positif. Alors, c'est rien d'autre qu'un programme prologue, au fait, quand il n'y a pas de négation et qu'il n'y a pas de « ou ». Et oula, qu'est-ce que j'ai touché? Voilà. Alors, étant donné un ensemble A, on dit qu'une règle est active dans A, c'est là toutes les prémices dans A, ça c'est des définitions, et puis un ensemble A est fermé par rapport aux règles d'un programme logique, c'est à chaque fois j'ai les prémices dans A, il faut que j'ai aussi la conséquence dans A. Et puis un programme logique positif contient un seul modèle d'Herbron, tout ça c'est des rappels que nous allons noter par la suite comme canonical model. J'ai utilisé ça sur mes transparents en anglais, je vais le noter comme ça dans la suite. Et puis le modèle minimal d'Herbron est le plus petit ensemble en fait d'atomes fermés par rapport à P, si je me réfère à cette définition là. Donc tout ça c'est des rappels. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on peut voir que par exemple si j'ai l'ensemble d'atomes AB, les règles R1, R2, R3 sont actives dans A parce qu'ils se déclenchent, ils ont les prémices dans A. Par contre R4 n'est pas active parce qu'on n'a pas D. Et voilà, si cet ensemble-là n'est pas fermé par rapport à P parce que normalement il devrait inclure C. Et quand je mets C, cet ensemble-là est fermé par rapport à P. Et d'ailleurs, ça va être le modèle canonique de ce projet-là. Et pour la sémantique des modèles stables, au fait, c'est l'unique modèle stable qui est égal au modèle minimal d'Herbron. Tout part de là, au fait. Alors, voilà, pour calculer le modèle minimal, c'est très facile. Si vous voyez, si vous définissez un opérateur TPA qui est l'ensemble de toutes les têtes que vous pouvez déduire, de toutes les règles qui contiennent leur corps dans A, et vous pouvez définir à partir de là une suite d'opérateurs. TP0, c'est TP appliqué à l'ensemble vide, et puis TP de K plus 1 est égal à TP appliqué à l'ensemble obtenu avant. Et le modèle d'Herbron est atteint quand le premier point fixe est atteint. Donc c'est une sémantique un petit peu du point fixe. C'est comme ça qu'on calculait le modèle d'Herbron pour un prologue ou bien pour les programmes positifs. Voilà, sur l'exemple de tout à l'heure,
Si vous prenez cet exemple-là, TP0 au départ c'est AB, ce sont les faits. Après TP1 on rajoute C parce qu'on le déduit. Et puis TP2, à cette étape-là on atteint le point fixe et donc on a le modèle minimal ici, c'est ABC. Et donc c'est ça qui va être le modèle stable, un seul modèle stable pour ce programme logique par la suite dans la sémantique des modèles stables de Gelfand. Alors voilà. Il est connu que tout programme positif admet un seul modèle minimal d'Herbrand et au sens de prologue, c'est le seul en fait, modèle quand vous lancez une requête prologue. Si la chose est vraie dans ce modèle-là, on vous répond que c'est vrai, le but est satisfait, sinon le but n'est pas satisfait. Vous voyez que quand il y a un seul modèle, c'est très simplifié. Alors voilà, par exemple, si j'ai... Au fait... Dans notre représentation, souvent les programmes sont donnés dans la logique des prédicats. Ce que font les gens, ils font une étape de grounding, ça veut dire instancier aux instances terminales sur le domaine. Et on a par exemple, à partir de ce programme, on déduit celui-là. Et puis vous pouvez renommer, vous allez revenir à ça. Ouais. Moi, je vais travailler sur ça. Et ce programme-là, par exemple, il contient deux modèles d'Herbrand. Et vous voyez, le modèle minimal, c'est celui-là. Donc, comme modèle stable, on retient au fait que celui-là. Ça veut dire que le modèle stable, il contient tous les atomes qu'on arrive à déduire. Par exemple, ici, tous ces atomes-là, ils sont déduits. Mais ici, il y a un atome qui n'est pas déduit, c'est le D qui est là. C'est le Q2 qui n'est pas déduit, mais ça reste un modèle. C'est pour ça que ici, on retient le modèle M1 comme modèle stable. Vous ne considérez pas des fonctions ? Hein ? Alors, les atomes peuvent considérer peut-être des fonctions au départ, mais après, il faut énumérer, on va énumérer sur un cas fini, en fait. Hein. Voilà, c'est pour revenir au cas propositionnel. Alors, maintenant, ça c'est du prologue ou bien de... des programmes positifs, et bien, ce qui est important, c'est cet enrichissement-là. Maintenant, on va passer au cadre de logique, de programmes logiques généraux, ou bien ce qu'on appelle les programmes normaux, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on rajoute? Un programme logique général, au fait, c'est un ensemble de règles comme ça, où on rajoute un corps négatif ici, c'est-à-dire on rajoute des littéraux notes AI au corps, et ça, c'est toujours une conjonction, et... où le note exprime évidemment la négation par échec. Et la négation par échec, on dit que s'il y a absence de preuve de A, on va dire que note A est vrai. Voilà, c'est la négation par défaut. Donc, le sens de cette règle-là, si on arrive à prouver tout le corps positif de la règle, c'est-à-dire les atomes A1 à AM, et qu'aucun des atomes AM plus 1 jusqu'à AN n'est prouvé, alors on peut inférer à zéro. Voilà. Donc, vous allez voir, juste rajouter, voilà un exemple. On a ça, on peut obtenir ce programme-là. Vous allez voir, le fait de rajouter les notes, la négation par échec, tout va changer. Voilà, bien sûr. Le corps, donc, ça c'est des définitions, le corps positif c'est les atomes positifs et le corps négatif c'est les atomes précédés d'une note. Et puis, on va dire que maintenant, une règle est applicable ou active si jamais tout son corps positif est vrai et aucun atome du corps négatif n'est vrai. Et puis, la projection positive d'une règle, c'est juste la sous-partie positif de la règle. Nous allons voir, on a besoin de ça parce que par la suite, pour calculer les modèles stables d'un programme logique comme ça, on va se ramener au cas positif de tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va calculer ces projections dans le réduit que je montrerai tout à l'heure. Alors voilà, sur l'exemple, donc si vous avez cet exemple, après l'instanciation règle terminale, on obtient ça. Donc, si on prend la règle R2, le corps positif c'est P1,1 et puis le corps négatif c'est Q1. Et la projection positive de la règle, c'est cette partie-là. Et puis, si on prend A qui est égal à un ensemble d'atomes qui est égal aux trois atomes suivants, vous allez voir que R1 et R2 sont actifs dans A parce qu'il contient R1 par exemple, R2, il contient
P1A, mais il contient pas, le A ne contient pas Q1. Donc c'est actif. Mais R3, R4, R5 sont inactifs parce que des fois, il n'y a pas le corps positif et des fois, il y a le corps négatif qui inhibe la règle. Et donc, c'est ce qui est important pour nous, bien sûr, ce sont les règles actives dans le calcul du modèle stable que je montrerai tout à l'heure. Alors, en 88, donc Gelfond et Lifshitz ont introduit la notion d'irréduit. Quand vous avez un programme P et un ensemble d'atomes A, on calcule le réduit de P par rapport à A, c'est le programme positif PA. On va supprimer toutes les règles qui contiennent un littéral not AI tel que AI appartient à A. Si AI appartient à A, ça veut dire not AI est faux, et quand faux est dans les prémices, faux implique n'importe quoi, on n'a pas besoin de cette règle-là, on la jette. C'est ça l'intuition. Et par contre, tous les règles où les AI ne sont pas présents dans A, c'est-à-dire not AI est vrai, on élimine uniquement le not AI. Et donc, on va revenir finalement P de A, ce sont l'ensemble des projections positives des règles qui ne contient pas dans leur corps positif un élément en commun avec l'ensemble des atomes A. Et comment définir alors le modèle stable? Le modèle stable, c'est un ensemble d'atomes. Quand je réduis P par rapport à A, comme on l'a montré ici, ben, A est identique au modèle minimal de Herbron de PA qui annonce un programme positif. C'est-à-dire que au départ, j'ai un A, je vais supposer que c'est le modèle, c'est un modèle stable, je deviens rationnel une fois que j'ai réduit PA et je calcule le modèle minimal d'Herbron. Et bien sûr, comme il peut y avoir plusieurs de A, il peut y avoir, pour maintenant, pour un programme P, il peut y avoir plusieurs modèles minimaux. C'est la différence par rapport au cas de prologue ou bien programme positif. Alors voilà, si je reprends l'exemple de tout à l'heure et je prends A par exemple Q2, je réduis, c'est l'atome Q2, je réduis P par rapport à A, je vais obtenir les trois règles positives suivantes. Et si je calcule le modèle d'Herbron de ça, je vais trouver est égal à P1,2. A est différent de P1, donc A n'est pas un modèle stable de P. Voilà. Et si le même programme, maintenant je vais changer A, je prends P1,2 et Q1, et quand je réduis P par rapport à cet ensemble d'atomes, j'obtiens ce programme positif, et vous allez voir que le modèle minimal coïncide avec A, et donc A est un modèle stable de P. C'est la sémantique. Quand je trouve que est égal à A, je deviens rationnel. Voilà. Alors, la sémantique des modèles stables est basée sur le monde clos. Tout atome qui n'est pas démontré vrai est supposé par défaut et étant faux dans le modèle stable. Hein. Et tout modèle stable d'un programme général est un modèle minimal de Herbron. Ça, c'est des résultats qui sont connus. Donc, un programme normal ou bien général peut avoir plusieurs modèles minimaux de Herbron, donc plusieurs modèles stables, comme il peut en contenir aucun modèle. Et ça, c'est le défaut d'ailleurs de la sémantique des modèles stables. Et pour répondre maintenant à une requête au sens du prologue, il faudrait que cette dernière soit vraie dans l'intersection de tous les modèles stable, pas uniquement un seul comme dans le cas de prologue. Alors, je ne peux pas terminer sur les modèles stables sans évoquer la complétion de Clark. Alors, la complétion de Clark, c'est quand vous avez des règles, plusieurs règles qui ont comme tête A. Alors, vous allez dire que dans la complexion de Clark, A est égal à la disjonction de tous les corps de ces règles-là. Voilà. C'est Clark qui a présenté ça. Il y a certains résultats dessus. Par exemple, dans cet exemple-là, vous voyez que A est la deux règles et dans la complexion de Clark, donc A est égal à la disjonction de B ou non C. En fait, le note
Le nôtre, c'est la négation par échec dont la complétion devient une négation classique. Voilà. Et ce qu'il faut remarquer aussi dans, quand je parle dans ces programmes-là, il y a des programmes qui présentent des boucles. Par exemple, là, pour démontrer A, j'ai besoin de connaître B. Pour démontrer A, B, j'ai besoin de démontrer A. Alors là, ça crée quelque chose aussi du point de vue résultat. Un programme qui a des boucles et qui n'a pas de boucles, ce n'est pas pareil. Alors, nous avons des résultats sur tout modèle stable de P est un modèle de sa complétion, mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que si je veux calculer les modèles stables de P, je peux énumérer tous les modèles. Les modèles de sa complétion, de l'ensemble des clauses de sa complétion, et à chaque fois je teste, est-ce que c'est un modèle stable? Il faut écarter ceux qui ne sont pas stables. Alors, pour vraiment établir l'équivalence, si le programme ne contient pas des boucles, il a été montré que l'ensemble des modèles stables est identique au modèle de sa complétion. Par contre, s'il contient des boucles, pour établir l'équivalence, on devrait rajouter des formules qui éliminent les boucles pour avoir l'équivalence. Et malheureusement, le nombre de boucles peut être exponentiel. Et donc, tous les solveurs, et la majorité des solveurs d'ailleurs, ils utilisent la complétion de Clark pour calculer les modèles stables, ils sont obligés de rajouter ces boucles-là. Et donc, il travaille avec une complexité spatiale dans le pire des cas exponentielle. Mais vous allez voir, ce n'est pas parce que cette limite théorique, résultat pessimiste théorique, n'empêche pas que ça marche dans la pratique, parce que des gens ont trouvé des astuces pour les rajouter d'une façon intelligente. Mais notre méthode ne passe pas par ça, on n'a pas besoin de traiter les boucles justement, c'est un avantage. Voilà, donc j'ai terminé un petit peu mon petit cours sur les modèles stables, mais les problèmes maintenant et les limites de cette sémantique, c'est qu'il existe, comme je disais tout à l'heure, des programmes logiques qui ont un sens et qui n'ont pas de modèle stable. Voilà, par exemple, je cite un exemple, quand vous passez d'un programme logique P à sa complétion, eh bien, il se trouve que le programme lui-même est consistant, mais sa complétion va devenir inconsistante. Et donc, il n'y a pas de modèle stable. Et donc, on ne donne aucune explication pour cette classe-là de programmes dans la sémantique des modèles stables. Et il arrive aussi, le deuxième problème, il arrive qu'une sémantique de modèle stable ne reflète pas l'intuition ou le sens du programme logique de départ. Je vais montrer tout à l'heure, d'ailleurs, deux exemples sur chacun des points. Un exemple. Regardez cet exemple-là, par exemple. Cet exemple-là ne contient pas de modèle stable, bien que le programme lui-même est cohérent, mais et il est évident que P doit être vrai dans ce programme-là. Mais la sémantique des modèles stables ne donne rien du tout. Et le deuxième programme, c'est logique, c'est celui-là. Alors, il se trouve qu'il y a un seul modèle stable où P et Q sont vrais. Oui. J'ai une question sur le premier. Ouais. Pourquoi il est cohérent? Parce que, donc, il y a quand même la règle note A, clic A. Oui, oui. Si vous mettez ça en clause, c'est comme A ou non de note A. C'est évidemment, vous avez mis le point sur c'est ça qui a gêné la sémantique des modèles stables. C'est cette règle-là qui l'a gêné, bien sûr. Mais nous, on le passe outre, parce que quand il passe, en fait, si vous passez à la complétion de Clark, vous allez découvrir un ensemble de clauses qui est incohérent. Mais si vous laissez le programme lui-même, il est cohérent. Et le deuxième point. Ce programme logique, voilà, normalement, donc, le sens sémantique que donnent les modèles stables, c'est que P et Q sont vrais là-dedans, mais R est faux. Mais alors, j'inviterai votre intuition de voir, par exemple, R et Q, pourquoi Q devrait être vrai et R devrait être faux. Alors, c'est impossible de voir ça sur ce programme logique. Et d'ailleurs, d'autres sémantiques pour l'autopistémique logique, ils ont traité le même exemple
Et ils n'ont pas prouvé ni P, ni Q, ni R. Et je serais aussi très content de vous montrer tout à l'heure que dans notre sémantique, au fait, aucun n'est vrai de P, ni R, ni Q, on ne peut pas affirmer. Voilà. Donc, il y a deux points, ces deux points-là qu'on a repérés parmi les faiblesses un petit peu de cette sémantique, donc absence de sémantique pour certains programmes logiques, et puis des fois le sens est un peu dévié. Voilà. Et voilà, donc notre démarche en 2012 avec Pierre, on va inventer une sémantique qui a un sens logique. Il ne faut pas se tromper, faire une sémantique impérative comme celle des modèles stables. Donc on part d'une logique propositionnelle L où on va distinguer deux groupes de variables. Des variables A qui contiennent des atomes comme ça positifs et puis le sous-groupe NV de variables not AI. Mais a priori jusqu'à maintenant, il n'y a aucun lien entre AI et not AI. Ce sont deux catégories de variables indépendantes. Et le total des variables, c'est l'union. Il ne faut pas qu'il y ait d'intersection entre les deux. Alors, bien sûr, nous aussi, vous allez tout de suite imaginer, on va utiliser notre AI, au fait, pour exprimer un type de négation par échec, mais affaibli. Voilà. On va l'affaiblir pour étendre notre sémantique. Il ne faut pas laisser comme la négation par échec classique. Alors, comment on va affaiblir ça? Au fait, on va établir un lien sémantique entre AI et notre AI. On va juste rajouter un axiome au langage L qui interdirait d'avoir AI et notre AI en même temps. Ça veut dire qu'il faut ajouter pour chaque atome AI, il faut ajouter une clause binaire d'exclusion mutuelle, comme ça. En fait, ici, il faut faire attention, ça exprime uniquement l'exclusion mutuelle, mais ça n'exprime pas l'équivalence entre nom de AI, la négation classique, et notre AI. C'est-à-dire qu'on peut avoir le nom de notre AI sans avoir AI. Et si vous voulez revenir à la négation par échec classique, ben il faut rajouter, à chaque fois que vous déduisez nom de notre AI, il faut rajouter AI. Et là, vous allez revenir à la négation par échec classique. Mais nous, on ne veut pas revenir là-dedans. Alors, donc une fois, maintenant, la notion d'extension. Si vous avez une formule de votre langage L, bien sûr, toujours, il faut lui rajouter l'axiome d'exclusion mutuelle. Et si vous avez, tout se passera sur l'ensemble des variables not. Ces notes-là sont très, très importantes. Alors, une extension de cette formule-là par rapport à un sous-ensemble S de l'hétéro-note est l'ensemble maximalement consistant. Il faut que j'ajoute des notes à I à chaque fois, je vérifie que c'est consistant jusqu'à ce que je rajoute un note et ça devient consistant. Et je prends le maximum de notes consistant. Ça, c'est la définition formelle est donnée par cette définition. Je rajoute des notes et je vérifie que E est consistant. Et dès que je rajoute un qui n'appartient pas à S', ça devient inconsistant. En fait, c'est l'ajout d'un nombre maximal d'unités de notes A et AF1 de telle façon que la théorie résultante reste consistante. Voilà comment on a une théorie, on lui rajoute un maximum de notes et on vérifie que tout ça est consistant. C'est ça ce que nous appelons une extension d'une formule logique de notre langage L. Voilà un exemple. Si vous prenez votre formule, c'est cet ensemble-là de formules, et l'ensemble S des notes, c'est note B et note D, vous allez rajouter ces clauses d'exclusion mutuelle à votre formule F, et vous allez trouver que la formule F admet une seule extension. Vous pouvez en fait rajouter que le note D. Si vous rajoutez note B, ça va devenir inconsistant. Et on a deux propositions qu'on va utiliser pour les programmes logiques. Je les énonce ici. Si vous avez une formule F du langage S, et si S est un sous-ensemble de NV, la formule, et si vous avez la formule auquel vous rajoutez l'axiome est consistante, alors il y a au moins une extension de votre ensemble F
union ME. Et ça, ça ne garantit par la suite que chaque programme logique consistant en quelque sorte, quand j'applique au programme logique, je trouverai au moins un modèle qui exprime et qui exprime sa sémantique. Et si F est un ensemble de clauses qui contient littéral positif et ne contient aucun littéral positif non AI, l'ensemble est trivialement consistant et donc suit le cadre des programmes logiques, au fait. Alors, donc dans notre sémantique, quand on a un programme logique qui a un ensemble de règles comme ça, on calcule, on définit son strong backdoor, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en fait, dans le sens que ce sont les variables les plus importantes vis-à-vis du calcul du modèle stable, c'est l'ensemble de toutes les notes qui apparaissent dans les règles. Les notes qui n'apparaissent pas dans les règles n'appartiennent pas au strong backdoor. Et je vais calculer les extensions par rapport à sous-ensemble-là par la suite. Et mon programme, maintenant, je vais le représenter. Chaque règle comme ça, je vais la transformer en une clause de Horn. Et puis, je rajoute l'action d'exclusion mutuelle. Donc, voilà la forme logique de mon programme P, qui est en espace est égal à la taille de P plus au maximum 2n. Donc, je travaille vraiment avec un espace qui est presque identique à celui d'entrée. Et tout le long de mes calculs, la complexité spatiale ne change pas. Alors, si j'applique maintenant ma définition de la notion d'extension au programme logique, c'est-à-dire à la forme logique LP, et par rapport à l'ensemble STB, c'est l'ensemble E que je vais obtenir en rajoutant un nombre maximal de notes tout en restant consistant. Ce que j'ai changé, uniquement j'ai changé la formule F par LP, qui est la forme logique de votre programme P. Donc c'est une formule particulière qui a l'ensemble dehors. Les propositions 1 et 2 de tout à l'heure, on déduit des propositions 1 et 2 que tout programme logique général admet au moins une extension. Donc là, on résout un petit peu la frustration qu'on garantit qu'il y aura toujours une explication et une sémantique pour tout programme logique consistant. Voilà. Alors, comme exemple, si je reprends la formule de tout à l'heure sous forme d'un programme logique, donc je transforme les règles en clauses, j'ai ça, et puis je rajoute les exclusions mutuelles. L'ensemble strong backdoor, ici c'est note D et note B, que je trouve dans les prémices des deux règles. Et puis la paire LP-STB a une seule extension, c'est LP et note D. Et à partir de cette extension-là, justement, on va déduire le seul modèle stable qui est ABC à partir de cette extension-là. Vous allez donc, c'est sous-jacent que maintenant, si je veux calculer les modèles stables, il faudrait que je calcule des extensions. Mais il y aurait certaines extensions qui correspondraient au modèle stable et d'autres extensions que nous appelons extra-extensions. Quand il n'y a pas de modèle stable, on a un extra-modèle stable. Donc, c'est pour ça que ça généralise et ça capture les modèles stables et ça donne quelque chose de plus. Donc là, par exemple, si j'enlève la règle A, j'obtiens ce programme-là logique et voilà sa forme de ces clauses et puis l'exclusion mutuelle. Et là-dedans, si je calcule, il n'y a pas de modèle stable au fait pour ce programme-là, mais il admet deux extensions, une en rajoutant note D, une autre en rajoutant note B. Et vous allez voir, justement, ces extensions-là ne vont pas correspondre à des modèles stables, mais vont correspondre à ce que nous appelons actuellement extra-modèles stables. Voilà. Donc, après, une fois fait ça, les deux théorèmes que nous avons démontrés, sur lesquels on est resté pas mal de temps pour prouver, ce sont les deux théorèmes suivants. Quand vous avez un modèle stable d'un programme logique, alors il existe une extension de LP-STB telle que X est identique à l'ensemble des atomes positifs que je déduis à partir de E. Et en plus, la déduction des atomes positifs à partir de E se fait avec propagation unitaire, ou bien la unit résolution. Donc c'est très algorithmiquement, c'est très bien. Et par contre,
cette extension doit vérifier une condition que nous appelons discriminante, parce que, à notre sens, il ne faut pas faire de différence entre extension de modèle stable et l'autre. Et celle-là, elle est très facile. C'est que, si vous voulez voir est-ce que, quand vous calculez une extension, est-ce que ça correspond à un modèle stable, il faut vérifier. À chaque fois que vous avez le nom de notre AI, il faudrait que AI soit déduit à partir de cette extension. Si vous avez cette condition, vous êtes sûr que E correspondra à un modèle stable. C'est le sous-ensemble des extensions qui ramassent la sémantique des modèles stables. Après, donc, pour faire l'inverse, parce qu'il faut démontrer dans les deux sens, si vous avez E est une extension de LPSTB qui vérifie la condition minimale, alors vous savez directement que tout ce qui est produit à partir de A comme temps positif est un modèle stable. Quand vous avez démontré ces deux théorèmes, vous ramassez la sémantique des modèles stables, et en plus, vous avez quelque chose. Quand il n'y a pas de modèle stable, vous avez des extra-extensions qui vous donnent des extra-modèles pour interpréter tout programme logique consistant. Alors voilà, si je reviens tout à l'heure à mon exemple, ce programme-là, il a un seul modèle stable, et à partir de l'extension, on déduit tous ces littéraux-là. Et vous voyez qu'on a nom de note A, mais on a A. On a note de B, mais on a B. On a nom de note C, mais on a C. Donc, cette extension satisfait la condition discriminante. Donc, la réduction aux atomes positifs est un modèle stable. Et je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, justement, où il n'y a pas de modèle stable. Il n'existe pas de modèle stable, mais nous, on trouve une extension qui est égale à LP lui-même, qui est là. On ne peut pas rajouter de notes, sinon ça va devenir inconsistant. Et à partir de là, on va déduire, on déduit P, note, nom de note A et nom de note de P. Vous voyez bien que P est vrai dans notre sémantique. Voilà. Si vous voyez par exemple le note A, si vous faites de la résolvante entre A et non A, ça va vous donner ce note A-là qui est présent ici. Donc notre sémantique, il a quand même un sens logique. Tout à l'heure, je citais cet exemple-là, je vous ai dit qu'il contient un seul modèle stable, et je disais qu'il n'est pas normal, vu l'intuition logique qu'il a ce programme-là, que P et Q soient vrais et R soit faux dans cette sémantique des modèles stables. Pour ce qui nous concerne aussi, on a une extension qui ramasse le modèle stable, vous pouvez la voir, c'est celle-là, où P et Q sont vrais, mais on a un extra modèle où R est vrai, ni P ni Q n'est vrai là-dedans. Et donc, maintenant, on peut conclure, ni R, ni P, ni Q ne sont vrais dans notre sémantique. En fait, c'est un noun. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui concerne donc cette sémantique. Et maintenant, je vais vous parler. Cette sémantique ramène une nouvelle méthode et une alternative nouvelle pour implémenter les solveurs ASP. Alors, c'est en partie le travail de Tarek Khaled, qui est un doctorant qui travaille avec moi. Donc voilà, la méthode, c'est un processus d'énumération à la DPLL, la méthode Davis-Putnam, si vous voulez, c'est un sort de backtracking sur un arbre de recherche logique binaire, et où il faut modifier bien sûr certaines choses. Ce qu'on fait, en fait, on cherche les extensions de LPSTB. On énumère uniquement sur les variables STB. Déjà, on énumère sur une sous-partie des variables. C'est celle-là. C'est le strong backdoor. Alors, on cherche ces extensions-là par l'ajout progressif de notre AI du STB, et on vérifie à chaque fois que c'est consistant. Et cette vérification se fait par propagation unitaire. On ne calcule pas la complétion, on travaille sur LP ici. Alors, une extension est trouvée quand toutes les clauses sont satisfaites ou bien quand tous les littéraux du STB ont été affectés, sans aucune clause
sans aucune inconsistance. Et dans ce cas-là, si on veut s'intéresser qu'au modèle stable, il suffit de retenir que les extensions qui satisfient cette condition discriminante. Sinon, si on veut s'intéresser à toute la sémantique dans sa généralité, on récupère toutes les extensions. Voilà. La méthode 2, par la suite, une fois que cette phase-là est faite, on complète le modèle par l'assignation à vrai de tous les littéronautes AI qui restent, c'est-à-dire ce qui n'appartient pas au STB, et l'assignation à faux de tous les atomes AI qui ne sont pas déduits, parce que nous aussi on respecte l'hypothèse du monde clos. Hein? Alors voilà, c'est les étapes donc de cet algorithme. Ce transparent, c'est juste pour vous montrer que c'est un processus de backtracking à la DP. Je ne vais pas le commenter. Ce qui est important, c'est que du point de vue complexité temporaire, si vous avez K étant le cardinal du strong backdoor, et si vous avez N et l'ensemble de la totalité des variables, vous allez avoir une complexité à peu près de Kn M de K. Et ce qui est important de voir, c'est que le facteur exponentiel élevé à K n'est pas à N. Et en général, N est toujours plus grand par rapport à K. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on travaille ici à espace constant. Alors que la plupart des solveurs, des autres solveurs, ils travaillent à espace exponentiel dans le pire des cas. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est pour ça que ça ouvre une alternative nouvelle d'implémenter des solveurs ASP. D'ailleurs, Tarek a implémenté un premier prototype qui est basé sur cette sémantique. Alors, les implémentations qui existent à l'heure actuelle, ils suivent ce schéma-là. Vous avez un problème, vous l'exprimez sous forme d'un programme logique, non terminal, c'est-à-dire en utilisant la logique des prédicats. Il y a la phase du grounding qui vous ramène à un cas terminal propositionnel. Et puis, on transforme en complétion de Clark et puis on calcule les modèles de Clark en rajoutant les éliminations de boucles. Et puis, on déduit les modèles stables. Notre schéma, nous, est simplifié. Donc, on exprime notre programme, on fait l'étape du grounding, puis on ne passe pas par la complétion de Clark. On calcule directement les modèles. On travaille à espace constant. Alors, Tarek m'a passé quelques transparents de son dernier article qu'il a publié avec Taï en 2018. Donc, où on a comparé par rapport à notre solveur, on l'appelle Horn Clauses ASP parce que la forme est sous forme de clause de Horn. Et le géant des ASP, c'est CLASP. C'est un produit qui est un solveur qui est développé à Potsdam avec l'équipe de Gisbert et puis Thorsten Schaub. Ils ont reçu beaucoup d'argent, via millions, je ne sais pas, quelque chose d'euros, et ils ont développé un truc monumental, et ils ont engagé plein de programmeurs. Donc c'est celui-là qui gagne les compétitions actuellement. Et on a testé sur l'énumération des modèles stables, en fait, on a comparé que sur les modèles stables, on n'énumère pas ici les modèles, les extra-modèles, ça n'a pas de sens de comparer parce que les systèmes, ici, les systèmes ne les considèrent pas. Alors, vous voyez sur les problèmes de Rennes, par exemple, on arrive, ouais, c'est le problème de Rennes, celui-là, oui. Donc, à 16, CLASP n'arrive pas à le résoudre. Et puis, S-modèle, en fait, ce qu'il y a dans CLASP, lui, ils ont récupéré toutes les techniques des solveurs modernes, le learning, les watch de literacy, pas le backjump, ils ont implémenté. Et le S-modèle, il fait un backtrack classique comme nous. Et le C-modèle, par contre, il rajoute les boucles au fur et à mesure, il ne les rajoute pas dès le départ. Ces modèles, il les rajoute toutes dès le départ, et c'est pour ça qu'il y a un clash, il n'arrive pas, il est essoufflé à 14 déjà, Rennes. Et après, le deuxième tableau, c'est sur les circuits hamiltoniens. Ici, c'est le nombre de modèles stables qu'on trouve. Hein. Et ici, c'est le temps pour chaque solveur. Vous voyez bien qu'on arrive à battre même le meilleur des solveurs sur ces problèmes-là. Je n'ai pas pris tous les problèmes que
que Tarek a testé. Par exemple, là, c'est sur les nombres de Ramsey. Et ça, je reconnais, c'est les pigeons, pigeonhole, et ici, c'est le lemme de Shur. Voilà. Et vous voyez que, si vous voyez les résultats obtenus, c'est quand même très prometteur, avec un prototype qui n'inclut aucune optimisation. C'est vraiment un programme réalisé par un doctorant, et puis un petit peu quand j'ai du temps. Donc, c'est pour ça que ça a l'air d'être une bonne alternative. Parce que si on met tout le background qui est dans CLASP, je vous garantis qu'on va passer à autre chose. Ouais. Mais ni le temps ni les moyens ne le permettent, et ce n'est pas mes intentions primordiales, en fait. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on vous a présenté? Une nouvelle sémantique qui capture et qui étend celle des modèles stables. Dans cette sémantique, une négation par échec affaibli est introduite, en fait, et c'est la base de tout. Voilà. Une bijection a été établie entre les modèles stables et un sous-ensemble d'extensions, celles qui satisfont cette fameuse condition discriminante, au fait. Nous avons présenté une méthode pour la recherche de modèles stables qui offre une nouvelle alternative que je dirais tout modestement intéressante. Voilà. Alors, à la différence des autres solveurs SP, notre solveur travaille à espace constant et l'énumération est faite sur un sous-ensemble que nous appelons ce fameux Strong Backdoor STB. Et la première version du solveur a des résultats, comme vous avez vu tout à l'heure, qui sont prometteurs. Et alors, qu'en perspective, je n'ai pas porté là-dessus, mais en fait, vous allez me poser la question à quoi ça sert les extra-modèles. Effectivement, on a cherché dans tous les benches, on n'a pas trouvé d'extra-modèles, à dire que les benches qui sont disponibles, quand vous trouvez un modèle, c'est un modèle stable. Alors, on était quand même un petit peu rassurant en travaillant sur les problèmes de biologie, surtout l'interaction des gènes dans les cellules cancéreuses et des choses comme ça. Ces derniers temps, on s'est mis avec au GDR de bien fou. On a réussi à comprendre quelque chose. Et là, je vais vous dire que les extra-modèles, ils ont tout leur avenir dans les problèmes biologiques, parce que c'est très très important. Déjà, Pierre Sigel, ils appelaient ça les extensions fantômes dans sa logique des hypothèses. Et nous, on retrouve par des extra-modèles des choses importantes pour la biologie. Et donc, on va bientôt donner peut-être des résultats sur ça prochainement. Voilà. Donc, ça, il faut un peu de patience. Peut-être Tarek va revenir un jour raconter ça, puisque c'est ouvert aux doctorants. Et je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé trop. Si vous avez des questions...